Effectivement, je ne suis toujours pas avec la bonne version de jaquette. C'est pas grave. Allez, bonjour tout le monde les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'étape numéro 3 de l'aventure, ou plutôt de l'événement sportif, le Tour de France 2013. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate. Et aujourd'hui encore une étape de moyenne montagne, disons-le, avec aucun, on va dire, aucune route vraiment plate. Il y aura toujours un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Voilà, donc attention, c'est un petit peu le yo-yo. Alors on est parti sur une étape numéro 3 de Ajaccio jusqu'à Calvi, 246,6 km. Une étape peut-être piège. On va voir tout de suite. Alors on peut voir qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 cols pour les sprints intermédiaires de montagne. Donc attention Nicolas Roche, si vous vous souvenez bien dans l'étape numéro 2, nous avions réussi à maintenir ton maillot à poids rouge. Et comment on avait réussi à avoir tous les points en première position. C'était exceptionnel, nous avions même gagné l'étape avec Nico. Alors ça c'était vraiment épique. Je vous conseille d'aller regarder la deuxième étape si vous ne l'avez pas vue. C'était quand même assez épique avec des chutes, vraiment vraiment de tout, c'était exceptionnel quoi. J'avais passé une petite heure magnifique. Voilà, on est parti et bien sûr un petit sprint intermédiaire pour le maillot vert, mais bon, pas vraiment d'utilité pour mon équipe parce que je ne vise pas du tout ce maillot là. Donc on passera les amis par le col de San Bastiano ici au début de la course. Donc vous pouvez voir que attention à devoir se méfier avec Nicolas Roche, aller directement partir en échappée pour aller chercher les points, ça va être chaud. Ensuite Sagone, le col de San Martino pardon, juste ici. Ensuite la côte de Porto, le col de Marzolino, tout en fin de course. Alors lui, attention parce qu'il est quand même assez haut, je crois qu'il est à 443 mètres ou quelque chose comme ça, il me semble. J'ai pas regardé, mais il me semble que c'est ça, hein. Voilà, donc attention quand même à cette épreuve qui va être piège, je le sens bien. Attention quand même aux gros leaders, je ne pense pas qu'ils vont partir dans cette épreuve, mais sachons, on n'est jamais certain, voilà. Sachons jamais, j'allais dire, super. On est parti avec le cadre, PL1, on va prendre un petit peu de la montagne, bien entendu. Un petit peu, on va prendre de moyen, allez hop, on va faire roue avant. Plus de la plaine, oui, je sais pas, plus de la montagne peut-être. Allez, alors, est-ce qu'on a le juste milieu? Non, ça n'existe pas. Non, non, si, voilà. Roue arrière, on va prendre les strikes, les roues. Et là, on va reprendre de la plaine, je pense. Non, on va reprendre de la montagne, alors. Hop. Voilà, un petit peu de montagne, un petit peu de plaine. Ce qui va nous faire 43 montagnes, 41 en plaine et 27 en contre-la-montre. On est en C1, c'est tout bon. Au niveau de la config, course 3D, c'est parti. On sélectionne les joueurs, donc toujours Alberto Contador, qui est en très bonne forme, donc ça c'est un bon truc. Benetti en bonne forme, mais bon, il me sert pas à grand-chose. Bonne forme pour Kreuziger, qui avait plus 5 lors de la dernière épreuve. Très bon pour Majka. Rogers qui est en bon. Excellent pour Zog, pourtant c'est lui qui va chercher les bidons, je crois, il me semble. Ou c'est Majka, je ne sais plus, j'ai mis un petit peu les deux. Très bon et très bon, donc notre équipe est vraiment excellent. Par contre, niveau de la fraîcheur, Nicolas Roche, forcément, est en bonne fraîcheur, vu qu'il a pas mal travaillé lors des épreuves d'avant. Donc attention, regardez, vous pouvez voir que c'est pas génial. Espérons qu'il puisse tenir en bon état, ça devrait le faire, on devrait pouvoir le faire courir un petit peu. On va tenter de le protéger un petit peu pour... cette épreuve est pour les suivantes, pour conserver le maillot à poids. Allez, on est parti. En tout cas, on peut voir que Alberto Contador est en excellente forme. Ça, c'est vraiment super. Pareil pour Kreuziger, pour Majka, pour Rogers et pour la principale partie de mon équipe. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez voir un petit peu la map de l'étape. C'est magnifique. Et on va voir plus en détail cette map. Alors, je vous dis, les favoris du jour, c'est Rodriguez. Bon, Rodriguez, qui est souvent favori. Alors, on verra qui c'est favori dans les grands cols. À mon avis, ce sera Froome, Valverde, Rodriguez, Contador aussi, je pense. On verra bien. Mais là, attention à Froome, qui peut très bien nous impressionner. Valverde aussi, Schleck, Cadel Evans. Nicolas Roche qui est apparemment pas dans les outsiders mais dans les coureurs à surveiller. Donc on verra bien. En attendant, je vous propose de regarder un petit aperçu de l'étape, de l'épreuve qui nous attend aujourd'hui. C'est parti. Les coureurs s'apprêtent à repartir de la cité impériale en direction du nord. La course doit longer le littoral et traverser Cargèse, Porto, avant de rejoindre Calvi après seulement 145 km de course. Sur une étape aussi nerveuse, en raison de sa brièveté et de son parcours accidenté, on ne devrait pas s'ennuyer un instant. La dernière difficulté, dont le sommet est situé à 13 km de l'arrivée, n'est peut-être pas très longue, un peu plus de 3 km. Mais avec une pente supérieure à 8%, cela devrait suffire pour provoquer la décision et écarter un bon nombre de sprinteurs.
Oh oui, ça tu l'as dit. Donc on est parti les amis pour l'étape numéro 3. Alors attention directement, petite gestion de l'équipe, sinon on risque d'avoir du mal. Alors direct j'ai mis à 80 parce que j'ai eu un commentaire sur la vidéo précédente. J'ai eu un de mes abonnés, un galaxien, qui m'a dit de mettre à 80 au tout début du jeu, au début de l'étape du moins, pour remonter au mieux et pour être bien placé. Donc je mets à 80 parce que je peux pas faire mieux. On est parti, alors attendez, comment on va faire? Je vais protéger par contre Nicolas Roche avant qu'il monte, puisque vous pouvez voir que la jauge jaune a un petit peu baissé, pareil pour la jauge rouge, vu qu'il avait fait énormément d'efforts à l'épreuve précédente. Donc attention, on va le protéger avec Machka, je pense, parce que Machka... zut, le problème c'est qu'il est très très loin. Où est monsieur Nicolas Roche? Il est là, alors avec qui je peux le protéger? Roche, ah c'est vrai qu'il est en jaune. Est-ce qu'on doit protéger le maillot jaune? Bon, je suis pas convaincu, on va voir. Avec Kreuziger, je vais protéger comme d'habitude Contador. Voilà, protège tout ça. Et enfin avec Rogers, il est où Rogers? Il est là, bah nickel, il est juste derrière. On va protéger notre ami Nicolas Roche, comme je l'avais fait à l'étape précédente. C'est parti. Hop, là on va bien remonter. Alors attention, à combien de kilomètres sommes-nous? À combien de kilomètres, pardon, sommes-nous? À 14,8 km de l'ascension de la montagne. Donc vite, on va devoir faire remonter au maximum Nicolas Roche à l'avant, vu que ça va attaquer très très rapidement. Donc j'espère qu'il est en forme, j'espère qu'il est dans un bon jour. Sinon ça va être compliqué. On va voir. En plus, il est maillot jaune. Oui, en règle générale, les maillots jaunes n'attaquent pas forcément directement. Mais vu qu'on sait que lui, il ne va pas viser le maillot jaune forcément, vu qu'il n'est peut-être pas assez fort en montagne par rapport au Froome, au Contador, etc. Bon, on va se méfier. Hein. Allez, Nicolas Roche, tu restes là, mon coco. Ouais, tu restes... Nicolas Roche, tu restes là, oui. Pareil pour Benati, tu restes là. Et Brechel, tu restes là. Alors, est-ce qu'avec Brechel, je dois protéger Benati? Non, parce que Benati, de toute façon, c'est même pas la peine. Est-ce que je peux tenter quand même un petit truc? Je vais tenter de prendre les points avec Benati lors des sprints. Bon, ça va pas être super, mais on va voir. Pourquoi pas. Allez, Rush, tu restes là. En tout, tu restes à l'avant et on va attaquer forcément au bout d'un moment. Attention, Chavanel. Ouais, ça peut être dangereux, Chavanel. Honnêtement, ça peut être très très dangereux. Sylvain Chavanel de l'équipe Quickstep. Qui c'est là? Amador. Ouais, ils peuvent jouer les points, ceux-là. Alors, de toute façon, j'ai beaucoup de points d'avance, mais on va devoir faire attention quand même. Hop, donc avec Rush, on va prendre l'échappée du jour, 13 km. Je pense que c'est une bonne idée. Allez, hop. Bim, on compte Sylvain Chavanel directement. On ne tarde pas, les amis. Mais vraiment, on ne tarde surtout pas. Et on compte, parce que sinon, après, c'est la galère. Attention, en plus, il y a quelqu'un de l'équipe Movistar, l'équipe à Valverde. Alors, ils vont vachement vite, par contre. Ça, c'est inquiétant. Allez, par contre, on va relayer, histoire d'aller vite. Ils sont juste derrière, ça ne sert à rien, ils sont juste derrière. Reste comme ça, reste comme tu es. On va se mettre à 70. Pourquoi tout le monde en chie, là? On est sur une grosse montée, aussi, c'est vrai. Alors, par contre... comment on va faire là? C'est bon, Zoc, t'es remonté. Tu vas rester comme ça. Non, Zoc, t'es pas remonté. Bah, reste où t'es, c'est pas grave. T'iras me chercher les bidons. Rogers. Rogers, par contre, je t'avais dit de protéger Nicolas Roche. Donc, tu vas rester comme ça, c'est pas grave. Ok, on est comment? Machka. Machka, Machka, Machka. Faut peut-être que tu remontes, mon petit Machka, dis donc. Ouais, ouais, donc Machka, je le laisse en remonter. Contador, il est devant, donc on va le laisser là. Hop, reste là, Nicolas Roche, Benati. Cantwell, bon je m'en fous un petit peu de lui. Cantwell c'est un sprinter donc ça ne sert pas à grand chose. Et lui on l'a juste mis simplement. D'accord. Ok donc là je vais baisser un petit peu les taux. Je vais mettre tout le monde, les amis, à 60. À 60. Voilà. Et Nicolas Roche, on va y faire un petit peu attention. On veut gagner le sprint montagne. J'aurais pas dû le faire attaquer directement. Ça ne sert à rien. Nicolas Roche, on va contrer un petit peu. Parce que quand même. D'accord, ils partent, alors ils le contrent pas apparemment. Nicolas Roche, s'il te plaît. Ça te dit pas de contrer, non? Bon, d'accord. Fallait le dire. Allez, go. Il reste 10 km. Vite, on se calme, on se calme, on se calme. C'est bon. Allez, là, on peut y aller. On peut un petit peu prendre des relais courts. Ouais, on a fait l'écart, c'est bon. On a fait l'écart, les amis. Kreuziger. Kreuziger, Contador. Contador, il est devant, c'est bon. Est-ce qu'on peut l'enlever? Contador. Oui, donc je suis désolé pour faire autant de pauses. Mais je vous avouerai que... Attendez, donc Gilbert est là, c'est lui qui a le maillot à poids, donc le deuxième au point de la montagne. Donc on est avec Roche, alors est-ce qu'on a des chances de gagner? Oui, on est le meilleur en montagne, donc on a toutes nos chances. Le maillot jaune, mine de rien, qui est parti devant, donc attention, j'ai l'impression que le peloton ne réagit pas, alors que quand même, il y a le maillot jaune devant, c'est un petit peu étrange, hein. C'est bizarre, quoi. Ouais, je sais pas, honnêtement, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'on pourra baisser? Non, on va rester à 60. Peut-être que non, tiens, on va les baisser à 50, histoire qu'ils ne s'épuisent pas. Parce qu'il faudrait pas abuser non plus. Hop, voilà. Et on va reprendre Nicolas Roche. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a que moi qui prends les relais? Parce que ça va pas le faire s'il y a que moi qui prends les relais, les gars.
Mais ça va pas le faire du tout, même je m'arrête. Hop, j'arrête de prendre les relais, hein. Désolé. Allez, je vais me remettre à 50, on va se reposer avec Nicolas Roche. Pas être cuit par la suite des points, parce que oui, les points de montagne, ça se joue sur la longueur. Et non uniquement... Attendez, mais j'ai encore mon équipe qui est devant. C'est bizarre ça, non? Je crois pas que c'est bizarre que mon équipe soit devant. C'est quoi ce délire? Il y a les gros grimpeurs qui... C'est bizarre. Honnêtement, c'est bizarre. Ok, donc je reste devant. Alors j'ai l'impression que les coureurs sont un petit peu mauvais, honnêtement. Parce que normalement, là, je me repose complètement et je vois qu'ils m'attaquent pas. Ah, Sylvain Chavanel, peut-être non. Non, ça va. Écoutez, je suis à 49, on n'a pas de mal. Amador, apparemment, de la Movie Star qui est pas si mauvais que ça. Donc c'est un bon baroudeur, attention quand même. Ok, donc on est plutôt bien. On est à 3,7 km. S'il y a une attaque, j'attaque directement pour les points du maillot à poids rouge. Parce que je suppose que je perds mon maillot jaune dans les grosses épreuves de montagne. Ça, c'est presque sûr. Donc, reposons-nous, surtout très important. En tout cas, je vois que vous êtes toujours aussi nombreux à aimer ce let's play, ce petit jeu, ce Pro Cycling Manager, ce Tour de France. C'est vrai que c'est un jeu qui fait bien été, voilà, qui fait bien vacances, tel que celui que je vais commencer bientôt. Ah, d'accord, le peloton est déjà revenu? Comment se fait-il? Machka, ah d'accord, Machka, on va le laisser où il est. Bizarre que le peloton soit déjà remonté. Ça, je vous avoue que c'est marrant. Ouais, je sais pas. Bah écoutez, j'aurais même pas dû attaquer. Bon, on sait jamais, parce que si je l'aurais pas contré, peut-être que ça aurait été la galère. Alors, est-ce qu'on attaque avec Nicolas Roche? On attaque avec Nicolas Roche, c'est parti. Voilà, comme ça on est parti pour avoir simplement Igor Anton qui est parti également. Attention, on est bien parti pour les points de la montagne. Magnifique attaque de Nicolas Roche devant Igor Anton. Attention, Nicolas Roche qui va sûrement passer. Et voilà, Nicolas Roche, magnifique Nicolas Roche, encore une fois les points des montagnes. Devant Igor Anton, c'était mine de rien assez compliqué. Alors quand même, Igor Anton qui va vite, là on va contrer Igor Anton avec Nicolas Roche. Sait-on jamais, il peut faire de très très bonnes choses. Attention, Igor Anton, attention, oui il y a du monde qui part, il y a Amador encore une fois. Bon, je ne pense pas qu'on va aller bien loin avec le peloton. Mais sait-on jamais. Ouais, c'est parti, Backland, attention à Backland. Il peut être assez dangereux, donc moins pour Nicolas Roche. Alors pourquoi, je ne sais pas. Pourtant je prends pas de relais, donc il n'y a pas de raison. Mauvaise nouvelle pour son leader, Quintana vient de chuter. Quintana, chute de Quintana. Mon dieu, c'est le gros piège. Je me souviens de la petite erreur, du gros problème pour Valverde lors de ce début de Tour de France. Et il a chuté, Quintana, sauf que c'est son coéquipier. Aïe aïe aïe, très très mauvaise nouvelle pour l'équipe Movistar, qui voit son leader, son meilleur grimpeur, chuter. Ah, c'est dommage, honnêtement c'est vraiment dommage. Et attention, là on va remettre notre ami Rogers qui va protéger Nicolas Roche. Voilà, histoire qu'il reprenne un petit peu ses petites fois force. Hop, on est parti. Donc là on va se reposer un petit peu. Vous pouvez voir qu'on est sur une période descendante. Et après on aura un petit plat. Bon, c'est jamais bien plat, mais c'est toujours le yo-yo. Comme je l'ai dit, ça descend, ça remonte. Et donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Là on aura un deuxième col, attention, deuxième catégorie. Donc ça devrait le faire, toujours les points de montagne. Très important, et là on va essayer les amis avec Benati, donc qui est encore là. Benati qui est protégé par Brechel. De faire un petit peu quelque chose, il n'y a pas de raison. On peut y arriver, c'est à 7,9 km. Donc là à mon avis, les sprinteurs vont préparer... justement les poissons pilotes, pardon, vont préparer leurs sprinteurs, donc attention. Benati, où est-il? Benati, je ne vois plus Benati, il est là. Alors Benati, attention, 6 km. Ce qu'on va faire, on va mettre Brechel... ouais, donc Brechel qui le protège, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème. Hop, on va les reprendre, je vais les mettre. On va les laisser comme ça, on va mettre à 49. Oui, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Alors, on va faire attention avec Benati, si on peut choper quelques points au passage, mais c'est vraiment, on va dire, pour faire quelque chose, hein, c'est vraiment pour de l'action dans la course, parce que de toute façon, autant faire quelque chose, hein, je trouverais ridicule si on essayait rien de faire, ce serait un petit peu bête. Ok, 5 km du sprint intermédiaire, ça ne sert pas à grand-chose que je le fasse, mais on va le faire quand même. Voilà. Allez, donc Benati... qui est en train de descendre, Benati on va le faire remonter. Benati, il y a 4,7 km. Est-ce qu'il descend beaucoup Benati? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a le Froome. Ouh, le Froome, attention, qui se met en tête de course. Contador qui est pas trop loin, ça va. Écoutez, attention, hein, qui c'est là? Ougerland, attention, qui attaque? Ougerland qui attaque ici. Ouh, il est pas très dangereux, Ougerland, dans la montagne, il devrait pas faire trop mal, pardon. Il n'y a pas de raison. Alors, je vais contrer Ougerland, quand même avec Benati. On va faire rouler un petit peu ce petit Benati, quoi. Il a pas roulé depuis le début. Allez, hop, 81, c'est parti. Benati en contre, les amis. S'il veut bien. Ouais, impeccable. Allez, on est à 3,2 km. Magnifique. Normalement, il devait contrer. Bon. Ouais, je sais pas. Allez, attaque, 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 c'est parti. On est fou, on attaque. Et on va lui passer devant. 1,4 km. On peut y arriver. 1,2. Oui, sprint, c'est parti. Magnifique.
points pour Benati. Voilà, j'ai récupéré quelques points au sprint intermédiaire, mais c'est vraiment juste pour faire un petit peu le kikou. Enfin, le fifou, tu vois, le mec qui peut tout faire, qui peut prendre le maillot vert, le maillot à pois et le maillot jaune. Ça fait plaisir. Bon, pas d'échappée, je ne me fais pas d'illusions, surtout que Benati, quand il sera dans la montagne, ce sera mort. Donc surtout, je ne relaye pas mon ami Ugarland. Désolé hein, si je ne relaye pas, mais je ne vois pas du tout l'intérêt de faire relayer Benati alors qu'il n'est pas du tout performant dans ce genre d'épreuve. Voilà. Donc apparemment, aucun gros leader, aucun même gros sprinter, on a voulu faire le sprint intermédiaire, c'est marrant. Alors ce qu'on va faire, on va balancer... donc on a le temps là, on va balancer... c'est qui sprint là? C'est qui celui-là? Parisien, pas trop d'inquiétude. Aussi Elfares, pas trop d'inquiétude, ouais, pas de soucis. Par contre, on va refaire aller. Lequel je m'en sers jamais? Cantwell, c'est un sprinter. Est-ce que Cantwell, on va lui chercher? Il y a 55 quand même. Ouais, je vais aller demander à Machka. Quoique Cantwell, il est derrière. Alors le temps qu'on arrive jusqu'à la montagne, c'est pas encore fait. Donc Cantwell devrait pouvoir aller chercher les bidons. Allez, c'est parti, mon Cantwell. Tu peux y arriver. Let's go. On va te mettre. À 75, donc ne t'épuise surtout pas trop hein, pour nous amener les bidons. Mais sait-on jamais. Apparemment, Nicolas Roche est en forme pour partir. On va pas non plus faire n'importe quoi. Mine de rien, vous pouvez voir qu'on longe à chaque fois la Corse, la mer. C'est vraiment magnifique. Honnêtement, c'est des paysages superbes. Je pense que c'est peut-être même les plus beaux sur ce Tour de France. Donc le début du tour est vraiment magnifique. Donc Benati, bien entendu, je ne le fais pas reprendre. Hop. Donc ça se passe plutôt bien pour l'instant, on est tranquille. Il y a 25 secondes, même presque une minute d'avance au peloton. Qui c'est qui partit? Chavanel, c'est pas trop grave. Si c'est que Sylvain Chavanel, il n'y a pas de souci. Voilà, pas de problème. Laisse-le partir, c'est pas grave. Mondori, ce serait pas trop grave. Et Trofimov, ce serait pas trop grave non plus. Bon, ça va pour l'instant, pas de gros risques. Par contre, juste voir si Contador est bien toujours devant. Sinon, c'est la galère. Hop, donc Rogers qui protège tout le temps. Oui, c'est bon, Rogers. Tu protèges toujours Roche. Rogers, oui c'est bon apparemment, pas de problème. Voilà Contador qui se fait protéger pendant toutes les étapes par Kreuziger, donc honnêtement il n'y a pas de problème du tout. Voilà, donc je suis assez satisfait pour le moment, pas de gros dégâts, pas de problème, c'est très bien. Cantwell qui va remonter, nous sommes à 21 km de l'arrivée, il en est où Cantwell? Là il remonte, donc espérons qu'il aille vite avant la grosse ascension, parce que là ça risque d'être compliqué, hein. Regardez, dès qu'on sera arrivé au deuxième col ici, ce sera un peu dur pour lui. Donc j'espère qu'il va vite remonter avant, parce que sinon c'est la galère. Allez, la peloton a subitement baissé le tempo, bah tu m'étonnes. Allez, Cantwell commence à ravitailler tout le monde. C'est super, donc il s'en sort plutôt bien. On va le mettre même à 80, histoire qu'il remonte. Qu'est-ce que c'est? Marcus Burgart. Attention de la BMC, Burgart, donc il ne me fait pas trop peur. C'est un bon baroudeur, mais sans plus. Allez, donc il est juste essayé de faire une petite attaque comme ça pour foutre les boules. Mais sinon, il n'est pas allé plus loin, donc c'est plutôt cool. Je suis très bien placé, les amis, dans ce peloton. Donc pas de problème. Attention aussi à l'équipe de Garanton, qui est en train de peut-être faire un petit coup. L'équipe Scatel, sait-on jamais. Sait-on jamais. Machka qui est là. Cantwell qui remonte au fur et à mesure. Donc ça va être long, mais de rien, je sens qu'il va devoir forcer un petit peu dans la montée. Donc dépêche-toi, parce que sinon, ça va être chaud pour toi de pouvoir gravir... le col, donc je te conseille de vite te dépêcher parce que là j'arrive bientôt. Hein. Michael Nieve, attention, qui s'est illustré également sur ce Tour de France, 78 de moyenne en montagne, 76 en vallon, donc il peut aussi jouer les points pour la haute montagne. Menchov, attention à lui aussi, bon il est un petit peu moins bon qu'avant, mais quand même, sait-on jamais s'il reprend un petit peu, s'il a envie de se remémorer les bons moments de sa carrière, sait-on jamais. Alors Cantwell qui remonte, petit à petit, mais là, on atteint l'ascension, c'est bon, il est presque arrivé là, donc juste pile poil, vous voyez, j'ai plutôt bien géré, je trouve. Kuczynski, c'est pas trop grave, j'ai plutôt bien géré, regardez, parce qu'on arrive bientôt à la côte, et il arrive en haut, et il est en train de ravitailler absolument tout le monde, donc c'est magnifique, c'est ce qu'il fallait, j'ai bien, pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas de grosse erreur de ma part, c'est nickel chrome. Où est Contador? Il est là, ok. Donc toujours pas de maillot pour Contador, des maillots jaunes, des maillots à pois, rien du tout. Mais ça va arriver, voilà. Maillot jaune et maillot à pois pour Nicolas Roche. Donc assez surprenant, oui. Benati, je n'ai pas... Benati, je ne l'ai pas fait. Donc écoutez, Benati, tu vas aller reprendre également du truc. Donc au pire, si tu peux pas remonter, c'est pas grave. Voilà, parce que j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû attendre, j'aurais dû les recharger avant. Mais c'est pas trop grave. Allez, 9 km du point intermédiaire de montagne, de meilleur grimpeur. Attention, toujours des points pour le maillot à pois rouge. Alors Nicolas Roche, on le voit bien, au moins il est en jaune. Gilbert, attention, on va falloir faire attention à lui demain pour le maillot et également pour la victoire d'étape. Attention. Ouh, je vois Miestre, Nevé, ça a l'air serré, attention quand même. Bon là, le principal adversaire c'est Gilbert, il est là. Donc on se passe de soucis, on est côte à côte. Je le passe même devant. Donc pour l'instant, honnêtement, pas de problème. Plus 1 en plus
avec Nicolas Roche. Donc vraiment, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Par contre, 6,9 km, ouais, on se concentre quand même. On se laisse pas aller. Allez, ma Brenda, on se laisse pas aller. Ok, on est bien. Alors moi, je suis plutôt content parce que Nicolas Roche tient bien le coup. C'est limite si je pourrais gagner le tour avec lui. Bon, ça va être chaud parce qu'il est pas très bon en contre-la-montre. Donc on pencherait plus pour Contador, mais mine de rien, il avait 2 ou 3 minutes d'avance, je crois que c'était 3 minutes d'avance. Donc mine de rien, c'est pas mal. Hein. Alors attendez, qui c'est qui peut surprendre ici, honnêtement? Niveau montagne, Vandenbroek, d'accord. Faire remonter un petit peu Nicolas. Mais vraiment un tout petit peu, hein, je dis bien. Hop, oh, il est en forme, regardez-le en plus. Ah, il est vraiment en forme, hein, honnêtement. Oh, je le fais à peine remonter, il est à 50 d'effort, il monte direct, quoi. C'est un truc de fou. Benchoff, Rodriguez, attention aussi. Qui peuvent attaquer, hein, mine de rien. On n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. Gilbert sur le côté, attention à lui. On est à 4,9 km de la montagne. Est-ce que je peux faire le coup et faire les deux sprints montagne en même temps? On est à 4,5 km. Aucun de mes équipiers ne relaye. Bon. Alors pour l'instant, je ne risque pas de me faire surprendre. Mais derrière la BMC, tout le monde est devant. Pour l'instant, tout se passe bien. Le peloton est au ralenti. On va pouvoir faire attaquer Nicolas Roche, hein, je pense. Hein. Allez, Nico. Tu montes. Petit à petit, doucement. Prends ton temps. On est à 3,5 km. Tu y vas. Attention. Tu y vas tranquillou. Rogers m'emmène en dehors du peloton. Stop. On va passer à l'effort 80. Et je vais tenter de déposer tout le monde. Bon, c'est peut-être pas le coureur le plus fort en termes d'accélération. Il a que 65. Par contre, en récup, il a 78. Donc, c'est quand même super appréciable. Attention, Nicolas Roche qui est prêt à décoller. Allez, on est chaud. Attention, c'est parti. Attaque de Nicolas Roche. Let's go, il dépose. Voilà, c'est ça qu'on aime. Ça fait plaisir. Irlandais, Nicolas Roche dépose tout le monde. Apparemment, pas de contre-attaque pour l'instant. C'est super. Allez. C'est bon, on continue, on force, on creuse l'écart, 1 km, pas de problème. Donc Mollema apparemment qui a tenté de contrer, donc tout se passe bien. Nicolas Roche toujours en tête, magnifique, vainqueur de sprint montagne. Alors je suis relativement surpris de voir Nicolas Roche dans un exercice comme celui-là, où il s'en sort vraiment très bien. Ça fait plaisir. Alors par contre on va baisser un petit peu la barre, peut-être non, on est à 40 secondes uniquement. Donc on est vraiment pas très loin, autant baisser l'effort, ça ne sert absolument à rien que j'aille aussi vite. Alors, on va baisser l'effort, de toute façon ils vont me rattraper, hein, le peloton, ils sont trop rapides. Le Vauclair qui est parti, attention, Thomas Vauclair parti en contre également. Et Igor Anton, Schleck. Ouh, j'ai creusé l'écart, attendez, j'ai creusé l'écart. Attendez les cocos. 65, 70 même, allez 70. J'ai creusé un petit peu l'écart, on va devoir essayer de maintenir un petit peu l'écart avec l'échappée numéro 2. Il y a Vauclair, ouh, c'est qu'on peut aller au bout avec cela, 82 Vauclair. Et enfin Mollema, ça peut aller au bout, par contre Mollema risque de me piquer la place du meilleur grimpeur. Enfin pas encore vu que j'ai récupéré énormément de points depuis deux étapes, mais attention quand même. Là on est super bien, voilà, on est bien parti encore une fois avec Nicolas Roche. Mais vous allez me dire, mais attends Galax, tu peux pas tenter, bon on n'aime pas ni Alberto Contador, tu peux pas tenter de gagner avec Nicolas Roche le tour, hein. C'est vrai que ce sera un petit peu compliqué vu qu'il est pas très bon au contre-la-montre, ou alors il faudrait que je prenne énormément de temps dans l'école, dans les montagnes. Donc est-ce qu'on attend Vauclair? Vu que je vois qu'il y a 3 échappés. Il y a qui dans la 3ème? Il y a Frank Schleck, pardon. Frank Schleck, Igor Anton. Ah, il y a des gros grimpeurs quand même. Attention. Je ne pense pas qu'ils vont forcément jouer. Voilà, ce serait plus Froome, etc. qui vont jouer pour classement général. Donc, on surveille les habits. Encore une fois, le classement général. Donc, pour le maillot jaune. Mine de rien, je vais reprendre du temps si j'arrive au bout. Mais j'arriverai pas au bout, c'est pas possible. 2,5 km. Ouais, alors franchement, honnêtement, on est bien parti là. On est à 1 minute de l'échappée numéro 2. À mon avis, je vais devoir attendre quand même les hommes derrière, parce que je peux faire quelque chose avec Thomas Vauclair et Mollema. Ah, apparemment, il veut gagner quelque chose, lui. Hop, donc je vais les attendre, on va descendre à 50. Ça ne sert à rien non plus que je gagne toutes les étapes. De toute façon, je suis vraiment trop loin à 70 km. Ça va être compliqué, et puis il va se crever absolument pour rien. Donc j'attends Thomas Vauclair et Mollema. Alors, Mollema qui va absolument gagner des points de montagne, hein. C'est énorme. Magnifique, t'es deuxième, Nicolas Roche passe en tête vainqueur, encore une fois, des grimpeurs. À mon avis, je vais avoir vraiment beaucoup d'avance, hein. C'est un truc de marteau, là, toute l'avance que je suis en train de prendre. Allez, on se repose un petit peu. Donc là, on est plutôt bien, voyez-vous, je suis content. On s'en sort encore une fois très très bien. C'était preuve, la dernière fois, nous avions eu l'échappée diminue. Voilà, l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Forcément, ils ne vont pas nous laisser tranquilles jusqu'au bout, ce n'est pas possible. Regardez, on a quand même un certain écart, ils n'ont pas encore passé le col, eux. Nous, on commence une nouvelle montée. Bon, tout va bien. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on accélère un petit peu le temps. On est à 48 secondes de l'échappée ici. Donc on va accélérer un tout petit peu puisque les étapes, oui, sont très très longues. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Allez, x4.
On est où? À 51 secondes, mine de rien, ils sont bon, ils sont loin quand même, mine de rien. Pas de raison d'avoir peur. Cantwell, je vois qu'il y a aussi grave dans la montée. C'est un truc de fou. Alors c'est bon, on est passé un petit peu. Hop, il est revenu sur moi apparemment. Ouais, Nicolas Roche, il est revenu à 1 minute. Thomas Vauclair qui apparemment n'a pas réussi à suivre. Avec Franck Schleck et Igor Anton. D'accord, il les a attendus peut-être. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ici? Alors, je vais redonner à Nicolas Roche du ravitaillement. On en est où? On est là, donc c'est plutôt bien. On peut attendre un petit peu avant. Voilà, alors là, ils sont revenus. Ça y est, ils sont revenus. Nous sommes bien placés. On est à 2,08 du peloton. Attention, il y en a qui sont lâchés. À mon avis, il doit y avoir un ou deux de mes sprinters. Peut-être, je ne sais pas. On va voir. Ça m'étonnerait pas du tout. Cyril Gauthier, d'accord, ok. Bon, on va voir. Sébastien Chavanel de Griffe. Ok, donc pour l'instant, c'est bon. J'ai pas de coureurs qui sont décrochés. Ça va peut-être pas tarder. Alors, qui c'est qui est là et qui décroche? Brechel qui décroche, je suis fou de moi. Ok. Benatil, bon, c'est normal. Cantwell, ok. Zog. Zog, c'est pas normal du tout. Par contre, on va le faire remonter. Hop. Zog, est-ce que tu remontres? Alors, attends, ce qu'on va faire, on va les mettre tous, les amis, à 70. Voilà, pour qu'ils remontent. Ok, alors Contador, où est-il placé? Parce que je fais toujours attention à mon Contador préféré. Majka, pareil, fais attention, mon grand. Contador qui a plus 3, il est en bonne forme. Brechel qui a moins 4, ouais, c'est ce que je vois. Donc Contador. Ah, il est un petit peu loin, ok. Je vois les Sky devant, ça ne me rassure pas. Où est Christopher Froome? Donc il y a la Stras, Rodriguez, Gutiérrez. Il va falloir suivre un petit peu Rodriguez aussi, parce que c'est le favori de l'étape. Roragil. Ok, bon, on a qui là? De Vertacan. Bon, ça va, ça a l'air d'aller pour l'instant. Je ne vois pas Christopher Froome. Il est là, Christopher Froome. Et Henao. Alors attention aussi à Henao, les deux là, Christopher Froome et Henao. Alors mine de rien, il a un équipier de choix. Alors c'est bon, Contador est là. Il est placé juste derrière, il n'y a pas de problème. On va aller chercher peut-être le ravitaillement. Non, pas encore, je pense. On va attendre encore un tout petit peu. Je vois pas l'intérêt. Alors on est à 44 km du prochain sprint montagne. Donc on est encore relativement loin. Il y a des risques, de gros risques même, qu'on se fasse reprendre par le peloton. Donc autant ne pas forcer pour rien, c'est ridicule. Voilà, donc moi je ne force surtout pas. On est à 34 secondes, on va se faire reprendre, on va se faire manger complètement. Regardez, il doit être là. Ouais, on s'est fait manger. Magnifique. On s'est fait complètement bouffer. C'est super. Regardez-moi ça. On s'est fait bouffer. Moi j'ai le maillot jaune. Ouais, ouais. Ok, c'est chaud quand même. Oh là là. Allez. Alors, je vais repasser en vue normale quand même, parce que sinon vous allez faire... Ouh, attaque de qui là? Albazini, c'est pas grave. Ok. Mais on va rester un petit peu, les amis. On va rester quand même un petit peu dans le peloton. Sinon ça craint. Albazini, c'est pas trop grave, surtout qu'il va se crever pour rien. Je veux dire. Oula, Igor Anton et tout qui repartent. 41 km du sprint montagne. Ça m'étonne un peu ça. Bon écoutez, je vais laisser partir. Je vais pas dépenser mon Nicolas Roche pour rien. Est-ce qu'il y a Rogers dans le coin? Rogers. Il est parti, Rogers, non? Il est où? Hey, Rogers! Bilout! Oula! Rogers, qu'est-ce qui se passe? Allez, remonte, mon grand. Remonte. Nom de Dieu. Donc, qui c'est qui parle là? Je fais gaffe aussi au Froome, au gros leader. Parce que ça risque par contre d'être chaud, ça. D'accord, donc il y a l'échappée, apparemment, ils prennent du temps. En plus, j'aurais peut-être dû y aller. Oh, 39 km, 40 km, on a le temps de les reprendre, au pire, de faire rouler un petit peu. Mes équipiers, ils sont là pour ça, mine de rien. Donc là, apparemment, 29 secondes, non, ils gagnent pas tellement de temps. Honnêtement, 32, ouais. Alors, ils le gagnent vraiment très lentement, j'ai l'impression que les quick-step roulent. Pareil pour les AG2R. Donc ça va, c'est plutôt bien. Voilà, on est plutôt bien placé, cher Galaxien. Contador qui reste devant, sans risque. Voilà. Oula, par contre, là, on arrive là vers l'école, on va devoir vite balancer Michael Rogers qui remonte. Zog qui est bon montagne, tu vas aller me chercher. L'eau, s'il te plaît, les ravitaillements, s'il te plaît, serait gentil. Et Nicolas Roche, qui a plus, hein, Nicolas Roche qui est content. C'est plutôt cool. Ok, on a 36 km. J'espère que Rogers va pouvoir remonter. Il est où, Rogers? Ouais, il remonte. Rogers, tu vas me protéger, mon ami Nicolas Roche, s'il te plaît. Et j'attends le ravitaillement pour être de nouveau en forme. Contador et Kreuziger, toujours en tête de peloton. Ou alors, vraiment très rapproché du début. Je vais y arriver, du début, pardon, de ce peloton. Froome qui est juste devant. Alors, avec Roche, je me méfie. Pareil, Contador qui est devant. Alors, si je veux, dans la dernière montée, je pourrais mettre quelques secondes à Froome, si possible. Parce que vous voyez qu'il y a un col à la fin. Pourquoi pas? Je ne pense pas, vu qu'il faut garder de l'énergie pour les grosses épreuves, par contre, parce que ça m'inquiète un peu, ça. Ok, Roche qui est chaud pour attaquer, apparemment. Alors, on va faire rouler. Attendez, on va faire rouler Majka. Majka, j'ai dit. Majka, tu es où? Majka.
Machka, il a Machka, il a moins 3 en plus, donc on va te faire rouler, peut-être que tu vas aimer. Zo qui a cherché les bouteilles, Contador, Nicolas Roche, Benatti, Cantwell, bon à mon avis pas trop lui. On va faire rouler Bréchel. Allez, soyons fous, on va faire rouler Bréchel. Voilà, comme ça on devrait rattraper les autres. On est à 30 km, bon il n'y a pas de raison, hein. J'aurais même pas besoin de les faire rouler tout de suite. Mais je préfère quand même, on sait jamais. De toute façon j'ai l'impression que ça roule bien déjà, hein. Honnêtement, je vois 30 secondes. Bon, ça devrait le faire, honnêtement. J'espère qu'il va pas y avoir de coupure de courant parce que j'ai vu une petite extinction des feux. Voilà, on va arrêter Bréchel. Je vois que ça revient. J'avais même pas besoin de prendre des relais. Vous savez, moi je suis un gros enfoiré, je prends pas des relais, hein. On s'amuse. Ça sert à rien. Allez, donc on est à 28 secondes. Vraiment, ils sont pas loin. Hein. Vraiment, là, j'ai même pas besoin d'y aller. Même pas besoin de mettre des gains en relais. Pas du tout. 25 secondes, il n'y a plus rien. On va récupérer. Des secondes, des points, 27 km. Attention, Nicolas Roche. Alors, celui qui devait aller chercher, mais bidon, ils sont où? Ok, Cantwell. Non, c'est Zog. C'est Zog qui en chie, apparemment. Zog pour remonter. Ouais, mais il faut vite remonter parce que nous sommes à 40 km. Alors, attendez, bon, t'as le temps. T'as le temps. Vas-y, c'est bon. C'est cool. Prends ton temps. Use moins ta vie. On va faire comme ça. Et attention à Nicolas Roche, qui est maillot jaune, on ne l'oublie pas. Et qui va remonter, mine de rien, un petit peu parce que là. On est dedans, donc attention Nicolas Roche. Alors bizarre que Nicolas Roche n'ait pas fait grand chose dans cette saison. C'est un petit peu dommage, ou plutôt dans ce Tour de France, hein, je précise bien, parce que la saison sera encore autre chose. Vraiment dommage, voilà, j'aurais bien aimé qu'il fasse quand même quelque chose qui gagne une étape, ou ça aurait été sympa. Parce que moi je l'aime bien ce coureur, voilà. Honnêtement. Allez, donc c'est bon, j'ai deux coureurs qui roulent en tête là. C'est Kreuziger et Contador qui apparemment sont vraiment tranquilles. Plus 3 pour Contador, et Kreuziger à 0. Donc il est tranquille. Bon, par contre, il faut vite leur donner de l'eau, du ravitaillement. Bah, donc là, on est cool, on est en tête de course. Pas de problème. Stop, c'est qui Albasini, encore une fois. Pas de risque, quoi qu'ils sont à 21 km. On est où de la course? Est-ce que ça grimpe? Non, ça descend. Bon, je vais plutôt attaquer dans le col, moi. Honnêtement, je vais attaquer dans le col. Voilà, qui Katsuski, il est fort ou pas? 75, ouh, ça va faire mal, ça. Ok, donc on est tous ravitaillés. Magnifique, merci à... À mon ami Zog, qui a bien fait, hop, et on va faire comme ça. Vous savez quoi, on va... est-ce qu'on attaque? Non, pas pour l'instant. Je vois qu'ils ont pas vraiment l'air de partir loin. C'est pas dangereux. Bon. Donc, encore pas d'échappé. Donc, Nicolas Roche est plutôt bien placé. Attention, ici, toujours les mêmes qui partent. Attention, Valverde qui n'est pas dangereux, je crois. 10ème à 2 minutes 11. Ouais, mais du maillot jaune. Et donc, Valverde qui part. Il pourra pas tenir en montagne, je pourrais le larguer, c'est pas trop un problème. Je ne pense pas. Allez, de toute façon, je vais faire rouler là. Alors, on va voir. Attends. Et s'ils partent, on fait rouler. S'ils partent pas, je fais pas rouler. J'ai l'impression qu'ils veulent y aller quand même. Ouais. C'est qui part là? Dupont. C'est qui lui porte? Ouh, d'accord. Vous voulez jouer comme ça? Ok, c'est qui part? Hunter. Non, ils ont peur d'aller bien loin, c'est pas trop grave. Quinziato, attention, Federigo. Voigt. Ah, Voigt qui peut tenter peut-être sa chance là. Lui qui est chaud. Presque à l'âge de 42 ans, vous vous rendez compte. Valverde préfère attaquer. Valverde qui attaque, au nom de Dieu. Celui-là, il va me piquer les points. Waouh! Valverde, je sens qu'il est bien parti pour gagner l'étape. Au pire, on va lui faire gagner, c'est pas un problème. On va faire rouler. Alors, Zog, tu roules direct. Mon ami Bréchel, tu roules, tu te bouges tes fesses parce que je vois que t'as pas envie de faire grand chose. Et Machka, tu roules. Allez, on repart avec Nicolas Roche. Hop. Voilà, on va faire rouler. Bah, je vais pas me dépenser pour rien. Espérons qu'on puisse le rattraper. Donc là, je croise les doigts. J'ai pas envie d'attaquer comme étape précédente parce qu'il faut que Nicolas Roche se repose un petit peu. Donc heureusement que j'ai Michael Rogers qui le maintient un petit peu en forme. Et on fait rouler, les amis. Et on fait rouler un maximum. Ils n'auront même pas le temps de dire ouf quand ils aura rattrapé. Il y a juste l'échappée numéro 1. Qui est Valverde qui m'inquiète légèrement. Alors c'est qui là-bas? C'est pas trop grave, Nicolas Roche toujours en tête vis-à-vis du maillot à voix rouge. Et du maillot jaune accessoirement. D'accord. Allez Roche, on avance. Roche. Ouais, l'échappée ne me plaît pas. On est à 49 secondes, c'est bon, 10 km du sprint montagne. Je veux tout gagner, tous les sprints montagne, je veux les gagner. Je vous le dis tout de suite. Allez, on remonte un petit peu, 9,4 km. On reprend vraiment terrain, merci à mes équipiers qui font un boulot énorme. Attention, il y a qui là? Menchov, Rodriguez. Ok, on va rester comme ça avec Nicolas Roche. On est bien placé, honnêtement. On va rester comme ça. Par contre, on va se mettre à 70. Voilà, pour rester le plus proche possible du début. Machka, donc, qui est très très bon en montagne. Lui, c'est qui? Vandamered, c'est pas grave.
Donc ouais, je suis vachement concentré dans mon jeu, les amis, vous pouvez pas savoir, là c'est vraiment du pur gaming. Donc pour ceux qui disaient, parce qu'il y avait un commentaire aussi qui disait, oui mais Galax, en fait c'est quoi le but de ce jeu, c'est de la regarder courir, c'est quoi? Alors ça m'avait un petit peu fait bizarre, parce que forcément vous le voyez, le but de ce jeu c'est vraiment de gagner du temps. Alors 50 secondes, par contre j'ai l'impression qu'ils veulent pas se laisser faire. Ouais, Valverde en même temps, c'est deux très bons grimpeurs, hein. Peut-être que je vais devoir augmenter le tempo, d'accord. Brechel à 80. On va devoir être obligé de monter, hein, forcément. Parce qu'il faut que je les rattrape sans démantibuler la santé, la forme de mon coureur. Donc ça pose pas de problème pour Machka qui est très bon en montagne. Mais les autres, c'est vrai que Bonzo, ça va, mais Brechel, pas super. Alors, il est où mon Nicolas Roche? Il est là. Toujours chaud, on ne fera pas un exploit aussi exceptionnel que la course précédente, mais on va quand même essayer de faire rouler et de gagner. Il reste 5 km de la montagne, espérons qu'on puisse les rattraper. C'est pas gagné, 4 km, c'est vraiment pas gagné. 45 secondes, à mon avis, j'y arriverai pas du tout. Rodriguez, ok, Nicolas Roche, on va le contrer. Rodriguez! Alors, j'ai assez de points de montagne. Il reste plus qu'un point de montagne. Le favori qui décolle, Contador, qui est juste là, qui est à plus 3, on croise les doigts, on touche du bois, les amis, bim, plus de protection, Contador, et on va faire y aller avec Rüdiger, ou pas, on va faire partir Rüdiger. Rüdiger, tu vas le contrer, et Contador, tu vas suivre, non, tu vas suivre, alors est-ce qu'on peut le suivre? Bonne question, Contador, est-ce que tu peux suivre Rüdiger? J'ai pas l'impression qu'il puisse suivre Rüdiger. Ok, je sais pas, on va voir. Alors est-ce que j'attaque uniquement avec Contador ou avec Rüdiger aussi? Écoutez, on va jouer avec Contador, voilà, en solitaire avec Rodriguez, parce que je vois que ses coéquipiers n'y vont pas, donc on est tranquille. Allez, Contador, qui y va, c'est parti. Je prends un risque. Contador qui n'a pas pris apparemment. Contador qui ne l'a pas pris, je crois. Si, il l'a pris Contador ou pas? Ah, il l'a pas pris Contador, hein. Je vois Schleck qui part. Ok, bon. Allez. C'est parti, Contador. Attaque de Contador. Let's go. 17 km de l'arrivée. Soyons fous. Allez, on va remonter comme ça, sans faire de gros efforts. Voilà, je vois qu'il remonte vachement. C'est qui a contré? Froome qui contre. Attention. Attention à Froome. Donc on reste au contact, les amis. 70, j'aurais pas dû attaquer. Mais c'est vraiment, là, c'est de l'intox, honnêtement. Je vois Gilbert. Je vois Gilbert qui attaque. Est-ce qu'on peut attaquer, les amis, avec Nicolas Roche? Non, il est trop loin, on va le laisser pour Contador. Tant pis si je perds des petits points de montagne. On le récupérera plus tard, Froome qui est devant. Ça m'inquiète, ça. On est à 15 km, donc on va peut-être jouer la victoire des étapes, sait-on jamais. 1,5, alors attendez, non, je suis trop loin avec Nicolas Roche. Je pourrais pas l'avoir, ça ne sert à rien. Hop. Contador, on va rester comme ceci, on va rester dans les roues. Rüdiger, s'il te plaît, tu vas me protéger ce Contador. Est-ce que tu peux y aller? Oui, allez hop. Alors on se méfie Contador, on se méfie de Froome. Oh, Froome qui part, Froome qui part. Attendez, Froome qui part. Oh là là. Ouais. Ça m'inquiète, ça. Froome apparemment qui part, c'est inquiétant. Hein. Donc c'est bon, là on remonte un petit peu petit à petit. Donc tout doucement, il reste 14 km. J'espère que Rüdiger pourra le protéger. Allez. Donc Froome apparemment chie un petit peu dans la soupe, ce qui n'est pas le cas de mon Contador. Oula, Froome qui part, attention. Oh là là, attendez là. Froome qui est chaud là, Froome qui est chaud. On va devoir y aller là. Froome. Attention au boom room, hein. C'est que c'est parti, hein, quand Froome est en train de perdre contact avec la tête du groupe, ça c'est plutôt bien. Oh, ça me fait peur. Allez, on reste comme ça. La descente à fond. Zog, ok, on est bien. Attention, alors mine de rien, Froome, quand il accélère, on le sent vraiment. Rodriguez qui est vachement devant, qui va peut-être même gagner l'étape. Froome derrière qui va suivre, donc Rodriguez, on va laisser gagner. Mais par contre, ça peut être très important pour le classement. J'ai pas bien suivi. Voilà, on va contrer Froome. On va. Attendez. Hop, Contador. C'est quoi ça? Suivre l'attaque. Suivre l'attaque. Contador, c'est parti. Alors surtout ne pas perdre de contact avec Froome, je pense que c'est le plus fort en fait. Il faut se méfier. Surtout ne pas perdre de temps, c'est le principal. Mon Dieu, mais il roule, hein. Oh, oh, oh.
vu comme il roule, lui. C'est impressionnant. Allez, on va augmenter même 90. Combien faut aller pour qu'il se calme, là, le Zigoto? J'ai pas envie de perdre de temps sur toi, hein, mon Christo. Moins de 5 km. Waouh. Eh, c'est que dis donc, il y va, hein, le bonhomme. Hein. Allez, je vais te rejoindre. Mon coco, je vais te rejoindre. Il y a orage chez moi, donc j'espère que ça ne va pas couper, les amis. Le temps qu'on termine justement cette étape avec Froome, ce qui fait un vrai orage lui aussi. Alors je ne vais pas tenter de gagner, je m'en fous. Par contre, on va accélérer à mort parce que là, je vois qu'il me passe devant. C'est un peu inquiétant. Donc c'est bon, est-ce qu'on peut... Vas-y, hop, suis l'attaque. Alors, on se met à 4,85, comme ça on est tranquille. Allez, on s'en fout. La victoire à l'étape, c'est pas important. On le suit juste. Voilà, il est tranquille. Alors, on va finir tranquillement. On va gagner l'étape. Bon, on va se mettre à 70. On s'en fout. 0,8. C'est pas grave. J'ai pas perdu de temps. Je suis plutôt content d'ailleurs. C'est quand même assez chaud de perdre de temps. Allez, on perd pas de temps. On arrive juste derrière. C'est pas grave. Allez, go. Oui, c'est bon, la pause. C'est qui gagne? C'est Rodriguez, ouais. C'était sûr. Alors, Froome qui était aussi l'un des. C'est sûr, l'un des favoris de cette épreuve. Et qui le montre. Allez, c'est bon, on finit juste derrière lui. Pas de problème de points, magnifique. Ok, pas de problème. Sans gros soucis, on est troisième de la course. Voilà, mine de rien, le principal c'était de suivre Froome. Suivi de Gilbert, bah c'était logique. Voilà, Costa, Da Costa, Evans. Qui c'est qu'il y a derrière? Nicolas Roche, ok, Krüziger. Donc là, pas d'utilité de finir véritablement. Voilà, on va laisser comme ça, c'est très bien. Allez hop. C'est nickel. On s'en est bien sorti, surtout ne pas perdre de temps sur Froome. C'était le plus important. Volley-Malo, donc vainqueur de l'étape, les amis. Joaquin Rodriguez de la team Katusha. Ensuite, deuxième, Chris Froome. Alberto Contador en troisième position. Philippe Gilbert, quatrième. Gianni Mirsan, en cinquième position. Cadel Evans. Ah, pas mal. Pas mal, Cadel. Sixième place, Rui Costa, septième, lui qui était aussi fort ce Tour de France 2013. Thibaut Pinot, huitième, Arthur Vichot, donc deux Français dans le top 10. C'est ça qui est bon. Allez, donc c'est très bien. On s'en est bien sorti, ça s'est bien passé. J'ai récupéré les premiers points, les trois premiers points. Oui, le col, quatrième et deuxième et troisième catégorie de cette course. Donc il n'y a pas de problème, il y a juste le dernier que je n'ai pas concouru pour rester en forme avec Nicolas Roche parce que c'est très important quand même de faire attention à ça, même s'il y aurait une épreuve de contre-la-montre. On revoit la victoire, les amis, de Rodriguez, Joaquim Rodriguez, grand favori de cette étape du Tour de France, l'étape numéro 2. Chapeau Rodriguez, vraiment belle victoire. En solitaire, tu avais pris vraiment une très très belle option sur la course dès les 10 derniers kilomètres. Franchement, bravo à toi. Voilà, Contador qui suit, plutôt Froome qui suit, et derrière, Contador, j'ai bien suivi, je suis très satisfait. Et on revoit en image, en ralenti, la victoire de Joaquin Rodriguez de la team Katusha, qui a vraiment fait une course incroyable et surtout un grand final, qui a déposé complètement tous ses adversaires, il faut le dire. Oui mon gars, tu peux savourer maintenant. Bravo. Nous allons passer maintenant, les amis, au podium de cette course, étape numéro 2, Tour de France classement Delta, bien sûr, Joaquin Rodriguez, qui ne va pas, par contre, avoir le maillot jaune, je pense, ça m'étonnerait fortement, vu qu'il n'a mis que 57 secondes à ses concurrents, mais par contre, attention, Joaquin Rodriguez était très important dans le classement général pour le maillot jaune, donc ça risque de compliquer un petit peu les affaires de tout le monde. Voilà, Nicolas Roche, toujours premier du classement, avec 2 minutes 07 d'avance sur Rodriguez, 2,42 sur De Gendt et 3,04 sur Froome ou encore Alberto Contador. Au général par points pour le maillot vert, c'est toujours Cavendish qui est devant avec un total de 75 points, suivi de Meersman avec 61 points et Nicolas Roche de l'équipe Saxobank Tinkoff avec 55 points et Contador qui suit derrière. Niveau maillot blanc à poids rouge, c'est toujours Nicolas Roche qui a une avance assez confortable de 18 points. Le deuxième est Mollema avec 6 points et 5 points pour Joaquin Rodriguez de la team Katusha. Le meilleur jeune du tour, c'est bien sûr Thibaut Pinot qui finit à la première place. La Française des Jeux peut être très fière de Monsieur Pinot, suivi de Machka, mon coureur, comme d'habitude, toujours l'un des meilleurs jeunes, qui était vraiment un très bon équipier. Et enfin, le général par équipe, c'est bien sûr la team Saxo Tinkoff qui fait un très grand Tour de France. Honnêtement, 2 minutes 42 d'avance sur le reste des équipes. Chapeau bas les mecs, je suis très fort en termes de management. Ou pas.
Et voilà, Rodriguez remporte la course. C'était le favori du jour. Magnifique étape. Aujourd'hui, les amis, entre la Corse et la Corse. Voilà, entre Ajaccio et Calvi, vraiment magnifique étape, il n'y a rien à dire franchement. Chapeau à Rodriguez, Christopher Froome qui finit deuxième, décidément, il montre que c'est un homme très très fort dans ce Tour de France 2013. Attention, ça risque d'être compliqué pour le battre et on peut voir qu'il nous a pris un petit peu par surprise. Voilà, en tout cas, c'était l'épreuve, l'étape numéro 3 de cette aventure sur le Tour de France 2013. J'espère que vous aurez apprécié. La prochaine fois, nous irons dans un contre-la-montre de Nice jusqu'à Nice, attention, contre la montre par équipe, étape de plaine principalement, donc ce n'est pas un contre la montre montagnard comme on verra par la suite, une étape très difficile de contre la montre dans ce Tour de France 2013. Demain, ce sera tranquille, il me semble que c'est 23 km, oui, 23,5 km de longueur, et attention, bien sûr, le sprint intermédiaire, le checkpoint en plein milieu de cette étape de contre la montre. J'espère que vous avez apprécié cette troisième étape. En tout cas, les amis, portez-vous bien, vive le maillot jaune, vive le maillot à poids, vive le maillot vert, et vive le cyclisme. Allez, salut tout le monde.